Nescafé, le sponsor exclusif, vous présente le Grand Café. Allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé Original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en une minute. Wassa wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Captée dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de goubri, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. On a toujours de belles surprises avec Orange Monnaie. Ah oui ? Oui ! Après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Monnaie partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui ! 1% de frais de retrait ! Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise, ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Monnaie ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Monnaie, il y a toujours de belles surprises. Orange Monnaie, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Le brave arrive 11 ans après. Ouais. Sur son cheval, il est entouré de quand même des sommités, Souké, Gohou, Oyou. En fait, il y a une belle mise en scène et tout. Ouais. Mais est-ce que depuis le 4 décembre, Douden, qui est l'artiste, quand il regarde le retour du brave, est-ce que finalement le brave n'est pas arrivé un peu déboîté quand même? Un brave ne peut pas être déboîté. Oui, déboîté, parce que mine de rien, le boom que ça devait faire, on ne l'a pas senti. En tout cas, le mélomane que je suis ne l'a pas senti. Peut-être que l'artiste a une autre conception. Mais depuis le 4 décembre, on ne voit pas ce boom du brave. Est-ce que finalement, on ne reviendrait pas à la conclusion qui est que l'ancienne génération, c'est fini aujourd'hui, on est passé à autre chose. Okay. Et pour revenir à la question, quand il a dit les vieux, c'est pourquoi la old school? Non, la old school. Ah, ok. Bon, on va demander aux smarties, c'est eux qui sont de la old school. Moi, mais c'est un peu comme une polémique que j'ai vue sur les réseaux sociaux. On a dit que le doyen a reporté sa sortie par rapport à... Vous savez, si vous me donnez un peu de temps, je vais faire ça rapidement. En 2000, quand on commençait à chanter, on était plusieurs groupes. Il y avait plusieurs artistes, on va les citer, ils sont nombreux. Et puis, quand nous, on commençait en 2001, je ne savais même pas qu'en 2021, moi, j'allais être sur un plateau comme ça. Pourquoi on parle de moi? Maintenant, la chance que j'ai, c'est qu'on parle de moi et on m'associe aux jeunes, c'est-à-dire les meilleurs du moment, c'est-à-dire que des très talentueux. On peut les citer, hein? On peut donner des noms, mais bon. Et on m'associe, on parle de moi 20 ans après. Moi, c'est tout ce que je leur souhaite. Ouais. Dans 20 ans, ouais. Qu'on continue quand le jeune va venir dans 20 ans, qu'on parle d'eux.
Nous, on demande à Dieu seulement de nous donner la santé. Si eux, ils ne sont pas là, là, le jeune qui va venir va nous trouver encore. Et parlons de jeunes, c'est le moment d'introduire un jeune ici. Il est tout jeune, il est tout frais, comme on a l'habitude de le dire. C'est du hip-hop, c'est un mélange de styles urbains. Mesdames et messieurs, il nous rend visite parce que il y a un album, il y a une chanson inédite, une chanson, voilà, toute fraîche. Monsieur s'appelle Toxa. C'est le TOK. C'est comment? Salut les enfants, chez vous c'est comment? C'est Toxa, je reprends les commandes. Elle m'a vu de loin, elle demande c'est qui ça? Elle a senti l'odeur de la quiche. T'as trahi l'équipe, surtout ne reviens pas. Sinon, voilà, quand te fait ta fiesta, le son tourne en boucle et tu bouges ta teuté. Pourtant, t'avais dit que toi tu kiffes pas. Pas de sneak, dish, snitch, beat. J'arrive sur le beat en mode backflip. Tu sais déjà que ça vient de la street. On est plus fort que vous, pas besoin. Si je ralentis le truc, ça fait ratata. Ambiance holomidée et fracata. Tant que ça arrive à, il est fracassa. Et jamais la concu ne le rattrape pas. Avant toi et moi, c'était sans de la peine. Mais aujourd'hui, c'est plus la peine. Quand la police y a veut nous attraper, on prend la fuite, donc c'est plus la peine. Y'a plus de coca pour le jada. Il est 5h du mat, c'est plus la peine. Et mon ex a validé le couplet. Et par SMS, et m'envoie je t'aime. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. Tu veux revenir mais c'est plus la peine. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. T'as changé ta vie, j'ai changé la mienne. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. Tu veux revenir mais c'est plus la peine. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. T'as changé ta vie, j'ai changé la mienne. Attention, ça va recommencer. Je reviens avec un flow un peu plus saccadé. Dribblé, yonkli, marqué. Le but, je me tourne sur le rent et je vois plus la concu. Plus rapide qu'un avion par terre. Donc je pull up sur vous mais en classe affaire. Si tu connais pas, faut te taire. La concu, je la ramasse à la petite cuillère. Bendo, j'ai collé la petite. Et sa copine s'est fâchée. 24 sur 24, je suis dans la boutique. Et je revends des sachets. Dans le 2.2, on veut plus de toi. T'as pris ta route, j'ai pris ma voix. Je bouffe les rappeurs et j'ai pris la petite. Et je commence à m'enlacer. Avant toi et moi, c'était sans de la peine. Mais aujourd'hui, c'est plus la peine. Quand la police y a veut nous attraper, on prend la fuite, donc c'est plus la peine. Y'a plus de coca pour le jada. Il est 5h du mat, c'est plus la peine. Et mon ex a validé le couplet. Et par SMS, et m'envoie je t'aime. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. Tu veux revenir mais c'est plus la peine. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. T'as changé ta vie, j'ai changé la mienne. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. Tu veux revenir mais c'est plus la peine. C'est plus la peine, non c'est plus la peine. T'as changé ta vie, j'ai changé la mienne. Cher ami, bienvenue au Grand Café. Merci. Merci de nous rendre visite encore pour parler de ce single. Il s'appelle comment ? Plus la peine. Plus la peine. C'est une histoire d'amour encore ? C'est un mélange. Un mélange. C'est un mélange. Alors. Un mélange, un petit message pour ceux qui t'abandonnent quand ça va pas trop. Ouais, bien sûr. Et qui veulent revenir. Quand, c'est un cœur déchiré encore qui parle. C'est un peu une histoire d'amour. En vrai, le message passe mieux quand il est question d'amour. Donc, il fallait mélanger les deux. Ouais, avec... Ceux qui sont là chaque fois quand le plat est servi. Ouais, c'est ça. Et qui disparaissent quand on est dans les difficultés. C'est ça. Hein? Ouais, avancez un tout petit peu. Voilà, okay. C'est ça. Et... Alors, est-ce que c'est ton cas, cher ami? Avec, t'as vécu une, c'est une histoire vécue parce que généralement les artistes, quand ils rentrent dormir un petit soir, ils font leur propre miroir, quoi. Ils font un peu le point et il y a quelque chose qui va pas, ils écrivent. C'est venu de quoi cette chanson? Non, j'ai pas vécu ça. Ou même si je l'ai vécu, j'ai pas vraiment fait attention à ça. D'accord. Mais en vrai, je raconte aussi ce que je vois. Ce que après, c'est pas que mon histoire, que ton histoire, les autres aussi. Alors, donc ça, cette image qui nous a marqué, c'est ce concert que tu as fait en Europe.
Et on était fiers de voir ça. Alors, c'était dans quel cadre? C'était dans le cadre du FIMU, le D'accord. Festival International des Musiques Universitaires de Belfort. D'accord. Et j'ai pu aller à ce festival-là parce que j'ai remporté un prix au Soco Festival 2021, en janvier dernier. Ouais, on peut applaudir ça. Ouais, on peut applaudir ça. Alors, moi, la colle que j'ai voulu te faire aujourd'hui, c'est de me donner juste un petit couplet, ne serait-ce que le début d'un couplet d'une chanson de Doudet. Et voilà, soit me rassurer. Soit me rassurer que vous ne venez, on ne vient pas de nulle part. Voilà, vous êtes appuyé quand même sur des aînés. Les anciens, voilà. Les anciens. Voilà. Ça dit que tout au plus, une chanson de Kleptogang, voilà. Ok. Voilà. Tout le monde veut avoir de l'argent, du noir au blanc, même du voleur au sergent. Rien à foutre, même si je suis pas intelligent. La seule chose qui compte, c'est avoir de l'argent. Mais les gens n'aiment pas les gens. Il y a des gens qui tuent des gens pour avoir de l'argent. Que l'homme est devenu méchant. La seule chose qui compte, c'est avoir de l'argent. Bravo. Voilà. On pensait qu'il ne l'avait pas, hein. Ouais, moi aussi, je pensais que je ne l'avais pas. Donc, en fait, c'est la preuve que des fois, dans vos créations, vous pensez que on ne fait pas attention, mais on part toujours de quelque chose. Absolument. Donc, vos inspirations, vos créations, c'est toujours parti de quelque chose aussi que vous avez entendu, que vous avez vu et de cet univers-là. Et pour quelqu'un qui est né au Burkina, qui a grandi, qui a suivi la musique et son histoire, forcément, à écouter des gens comme Doudaine. Un message à l'endroit de ton doyen. Merci d'abord de me recevoir ici. Oui. Le grand frère, c'est un gars super gentil, sympa, il aime rigoler beaucoup. Oui, bien sûr. Et voilà, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, j'ai toujours profité pour attraper les conseils qui me servent. Ouais. Et je voulais lui dire que quand j'étais au CE2, c'est un doyen, parce qu'il n'aime pas que je dise qu'il est un doyen, mais quand j'étais au CE2, le premier playback que j'ai fait à l'école primaire là-bas, c'était sur un son de Kleptogang, Ma Cocotte. Ouais. Doudaine, comment j'écoutais Toxa tout de suite pour cette chanson qu'il est venu nous présenter, je me suis dit, les yeux bandés, on te dit rentre dedans, t'es dedans. C'est, ça n'a pas changé en fait. Ouais, mais déjà, je le félicite parce que depuis le début, je vois qu'il voulait le faire. Et on lui avait dit que le talent est en lui. Ouais. Et je vois qu'il est en train vraiment de trouver sa voie. Encore courage. Ouais. Courage, merci. Frère. Merci et beaucoup. On espère que quand on ne pourra pas marcher comme ça, là, c'est vous qui allez nous donner à manger. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Merci. Alors, ce single, il annonce quoi? Il annonce un album? Oui. Il annonce surtout la tournée européenne. De 2022. D'accord. Inch'Allah. Et voilà. Donc pour l'instant, matez la vidéo, comme on dit. C'est ça. Voilà. Choc ça. Merci. Et à très bientôt. Merci. Voilà. Enchaînement facile. On va appeler une jeune demoiselle. On avait eu un rendez-vous manqué. Ouais. Mais si elle est juste à côté, on va l'annoncer. C'est une qui prépare un album depuis maintenant 2 ans. Et j'espère que les choses se préparent bien au niveau de son staff. Nous ici, on aura l'occasion juste de l'écouter et de demander à mes chroniqueurs de se prononcer sur cette jeune demoiselle qui vient d'entamer sa carrière. K-I-A-R-A, elle s'appelle Kiara. I'm
Bravo, Kiara, vous restez pas là, restez pas là. Venez, venez pas là. Merci d'être venu au Grand Café. Merci. Bravo encore, très belle chanson. Merci. Le style, le chant, le timbre de voix. Merci. C'est très joli tout ça. Merci. Alors, à l'état civil, on s'appelle comment? À l'état civil, on s'appelle Balkissa Zapsonré. Zapsonré, ça c'est le pays Bissa. Oui. D'accord, venez précisément d'où? Tenkologo. Tenkologo, le grand Tenkologo. On va applaudir pour le grand Tenkologo. D'accord. Alors, mais nous qui sommes un peu dans le secret, ça fait plus de 2 ans que cet album se prépare. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense que on travaille là-dessus pour que ça soit bien. D'accord. Pour que ça soit propre. Ouais, on corrige, on recorrige. Pour que ça soit bim. Ouais, voilà. Pour que ça passe. Ah, d'accord. Donc, c'est le bim qu'on attendait. Voilà. Vraiment, j'aimerais qu'on l'applaudisse très fort. Et nous, dans un premier temps, ce qu'on a voulu, c'est de venir qu'on entende enfin cette chanson. Parce que moi, j'ai écouté. Je pense que s'il y a quelque chose dans ce truc, et puis après, vous reviendrez ici pour qu'on fasse la discussion. Mais rapidement, comme ça, Salif Akerman, un petit commentaire. Oui, moi, je suis séduit, je suis conquis. Oui. Peut-être que je trahirai le secret. J'ai déjà écouté quelques-uns de ces titres. Oui. Et franchement, je suis agréablement surpris. Parce que quand vous tendez l'oreille, elle chante en Djoula et en Bissa. Et en Bissa. Mon voisin me demandait, mais c'est en quelle langue? Oui. Ça vient d'ici. Tout à fait. Et c'est quand c'est bien chanté, on n'a pas l'impression que c'est ce qu'on parle tous les jours dehors. C'est pour dire que la musique est universelle, le chant est universel. Ce qu'on va chercher ailleurs, là, on peut faire ça avec nos langues. Il suffit de bien travailler ça. Et elle l'a si bien fait. Je vois que c'est accompagné d'un très beau clip. Elle a une très belle coiffure. Et le bim, c'est à partir de maintenant. Merci beaucoup. Non, c'est étonnant, c'est dansant, c'est, on a envie de bouger et tout. Et moi, ce qui me séduit le plus, en fait, c'est que on n'a pas affaire en fait, à quelqu'un qui débute et qui n'a même pas d'album encore. On a affaire à quelqu'un qui a peut-être 5, 6 ans, 7 ans et qui a 1, 2 albums peut-être sur le marché. Parce que déjà, elle rentre avec des danseuses, il y a quand même un dress code. Ce que beaucoup d'autres qui sont déjà sur la scène ne font pas. Bien sûr. Après, il y a un joli clip derrière parce que moi, je me suis concentré ici sur le clip pour regarder. Ouais. C'est tellement beau qu'on a envie de se demander. Déjà, il y a du travail qui est déjà fait. Le bim, en fait, il viendra sur la base seulement de la promotion qu'on fera de ça. Le visuel qui accompagne, c'est vraiment top. Bravo encore et félicitations. Merci. Imhotep. Bon, normalement, je devrais pas féliciter et dire des mots à une dont j'ai le mandat de promouvoir la civilisation, de promouvoir, voilà, je dois te civiliser. Et je vois que c'est moi aussi qui parle. Hein. Voilà, tu as fait des efforts magnifiques. Hein, il reste encore beaucoup, mais c'est déjà bon. En tout cas, bravo. Mais je voudrais te dire, prends un peu le courage de Bado. Tu sais, chez les Gourmoussi, hein, on affronte le public, on tue sa timidité. Ouais. Et tu as quelque chose de très magnifique. On sent que tu, en venant, tu as hésité. Tu sais pas si c'est toi qu'on a annoncé. Ouais. Mais là, c'est toi. La scène, elle est à toi. Hein, il faut l'occuper, il faut la prendre, il faut posséder le public. Ne le laisse pas t'intimider parce que ça va pas chanter comme toi. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Monsieur, nous donne un mot de l'arrangeur, un mot de l'auteur-compositeur. Oui, c'est bien orchestré. Ce que Imhotep dit tout à l'heure n'est pas faux, mais ça vient avec le temps. C'est même comme quand quelqu'un fait tout le temps la scène. S'il fait du temps qu'il ne fait pas de la scène, après ça se ressent. Je pense qu'elle va apprendre avec le temps. Voilà, c'est juste encourager. Et le chemin est long, il n'est pas facile.
il faut savoir ce que tu veux, travaille, et puis rien n'est impossible, tu vas y arriver. Bravo, à bientôt, Kiara. Merci à vous, public. Merci à l'émission merci. Café, et merci à... À bientôt, à bientôt. À bientôt. Merci. Doudan. Ouais. Alors, le Brave est de retour, et ça, on le sait maintenant. Ouais. Quelles sont les dates de Doudan? Bon, déjà, on est en train de travailler. D'accord. On a commencé à travailler avec les musiciens. Parce que le plus important n'est pas de venir proposer, par exemple, ceux qui me connaissent savent qu'il y a très longtemps que je n'ai pas fait de playback. Je ne supporte même plus. D'accord. Donc, il faut commencer à travailler avec les musiciens pour que l'orchestration soit parfaite. D'accord. Et puis, bon, en avril, on a prévu 3 concerts à Ouaga, à Bobo et à Koudougou. Et puis, bon, on aura le temps de donner les dates exactes. Mais pour l'instant, on est en train de travailler pour ces 3 concerts. Donc, on n'est pas pressé. Voilà, c'est ça. Oui, là, on voit quand même que tout le péché ou tout ce qu'on peut dire, c'est quelqu'un qui a de la méthode, qui a de l'humilité. On se souvient qu'il allait à l'école de doyen comme Smoke pour ensuite tisser sa propre corde et devenir à son tour un promoteur et tout ce qui va avec. Et là, on se rend compte que il se laisse pas prendre par le piège de tout ce qu'on peut dire, hein, qui peut amortir, parce que on ne regarde pas aussi la condition qui n'est pas souvent assez aisée pour l'artiste. Mais nous qui sommes consommateurs d'art, j'ai envie de dire que souvent on fait des procès assez sévères et qu'il faut de temps en temps donner un peu de temps et de l'espace. Ouais. Et là, quand j'entends qu'il sort progressivement des playbacks, parce que les playbacks, ça trompe, ça, c'est un trompe-œil. Hein, on a vu à des occasions assez solennelles où on allait projeter des artistes à des coups de fusée qui ont été tout le revers. Donc, c'est dire que c'est quelque chose d'assez nécessaire. Est-ce que Doudan dit, est-ce que vous exportez parce que j'ai rarement entendu Doudan se performer au Sénégal, peut-être dans les années passées. Je ne sais pas, est-ce que Doudan est souvent appelé sur des spectacles au Cameroun, en Centrafrique, en France et ainsi de suite? Pas en Afrique centrale, mais en Afrique de l'Ouest, oui, j'en ai eu. Mais déjà, il ne faut pas oublier que ça fait 11 ans, comme on a dit, 11 ans que je n'ai pas sorti d'album. Par exemple, pour certains festivals de Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'on m'appelait les années précédentes, j'ai toujours proposé, beaucoup de gens ne le savent pas, j'ai toujours proposé d'autres personnes. Okay. Même l'année passée, on m'avait appelé pour un festival. Je ne peux pas donner de nom, j'ai dit, il y a un qui actuellement fait son temps, il marche, il est plus jeune, il faut l'appeler. J'ai appelé son manager, qui est son producteur en même temps, et je les ai mis en contact. Il faut avoir aussi cette humilité, à un certain moment, de reconnaître que quelqu'un a travaillé et c'est son moment. Ouais. Moi, il faut aussi ne pas oublier que les gens sont rentrés dans la musique de manière différente. Il y a d'autres, s'ils ne rentraient pas dans la musique, ils allaient mourir de faim. Pour moi, ce n'était pas ça. Non, disons-le la vérité. Tu venais te distraire, tu venais t'amuser. Pour moi, ce n'était pas ça. Ouais. Voilà. Moi, même mes professeurs, quand j'ai rentré dans la musique, ils ont pleuré comme des gamins. Ils m'ont dit, tu gâches ton avenir. Moi, je suis rentré d'abord dans ce métier-là parce que je l'aime. Et au tout début, bien sûr, je ne pensais, en tant que jeune, je ne pensais qu'à vouloir faire bien. Mais après, à un certain moment, il y a ceux qui t'aiment aussi, tu as envie de leur redonner des choses. Ouais. Donc, c'est après maintenant qu'on voit la chose comme un métier. Donc, moi, la première chose, je suis rentré dans ce métier par passion. J'ai laissé des choses qui, à la base, on dit, rentrer dans la musique, là, c'est peut-être le problème. Mais pour moi, c'était la solution, tu vois. C'est-à-dire, il y avait pas, c'était plutôt le chemin le plus dur pour moi. C'est que les autres étaient bien tracés. Moi, je continuais à l'école. Je ne vais pas dire que j'étais peut-être un cadre, on ne peut pas savoir. Mais tout était bien tracé pour moi. Mes professeurs sont là, on peut leur poser la question. Ça allait bien à l'école, mais le chemin le plus dur pour moi, c'était la musique. Ouais. Et heureusement pour moi que je suis rentré dans la musique, parce qu'elle m'a beaucoup sauvé. Je veux avoir le point de vue de Doudan, parce que quand même, aujourd'hui, il y a un sujet qui revient récurremment, c'est que finalement, l'école ne sert plus à rien. Et là, on voit que tu as une plume et une force de la rhétorique assez incontestable. Et moi, j'ai envie de dire, ce débat, quelle est la position que Doudan prend par rapport à ce débat de l'inutilité de l'école?
c'est vrai, on connaît tous les péchés de l'école, mm-hmm. mais est-ce que, dans ce débat, politique. Qu'est-ce que Douden dit? Faut-il l'oublier ou est-ce que tu penses que c'est à la corde de l'école que tes tests tirent toute leur substance et toute leur belle articulation? Il y a un penseur qui disait que le diplôme est l'ennemi mortel de la culture. On peut suivre sans croire en ce qu'il dit ou on peut ne pas croire. Mais ce que moi je veux retenir de l'école, ce n'est pas l'institution. L'école, c'est l'apprentissage. Ouais. Quand on sait pourquoi. Parce que si tu rentres à l'école pour ne chercher que des diplômes, tu peux finir d'avoir le bac en génie civil et puis devenir couturier. Oui. Tu vois? Voilà. Mais quand tu décides de partir apprendre à l'école, c'est-à-dire l'école est un apprentissage, même la vie, partout où tu passes, c'est l'école, école, si ouais. c'est ça l'apprentissage que tu vas chercher, mais bien sûr que l'école, c'est la solution. C'est la clé. Mais là, on est sûr, parce que ça... Tu n'as pas dit que tu es étrange à ce débat, mm-hmm. quand même, qui est porté par... Non, en fait, par... toi, tu veux me piéger. Non, moi, je suis sûr. On va passer à coach Dean rapidement. Coach. Tu vas coach. C'est clair que Imhotep veut te piéger. Oui, mais quand même, un brave. Après, oui, déjouer les... Un brave qui n'a pas ses pistolets à côté. Non, coach. En fait, on ne peut pas terminer cette émission. On ne peut pas recevoir Douden dans notre fauteuil sans parler de Douden aussi, l'arrangeur. Parce que mine de rien, c'est quand même un caïd aujourd'hui dans l'arrangement au Burkina Faso. Parce qu'il a fait ses armes, c'est vrai. Il a fait son école auprès de Smoke, au studio Abazon. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui participe non seulement à l'éclosion de la musique burkinabé en arrangeant de beaux tubes. Et je pense que Mnangafo, Emilo et Chidima, ça porte ta griffe. Et ça, je pense qu'il faut applaudir quand même parce que ça fait le tour. Après, dans l'univers musical, on a l'habitude de voir des arrangeurs qui deviennent eux-mêmes artistes. Dans ton cas, tu étais déjà artiste avant de faire de l'arrangement. Ton regard sur l'arrangement aujourd'hui, en tant que, je dirais, manière de faire, en tant que fonction, en tant que travail, est-ce que tu penses que c'est un métier ingrat? Parce que l'arrangeur peut arranger un tube qui va faire 4 milliards comme bénéfice, mais après, on ne le cite pas, on cite que l'artiste. Est-ce que ce n'est pas un métier ingrat, toi qui es arrangeur? Pour moi, on n'a forcé personne de rentrer dans un métier. Pour moi, c'est de manière claire et nette. Quand tu décides d'être arrangeur, tu vas avec ses avantages et avec ses inconvénients. Tu ne peux pas être l'arrangeur d'un artiste et puis vouloir avoir plus de visibilité que l'artiste. C'est lui la vedette. C'est le mot même, la vedette. C'est un peu comme les musiciens qui sont derrière. Quand tu fais du live, on les paye mal. Ils sont souvent même très maltraités. Mais tu fais ton live, on t'applaudit. Et si sur la même scène, un seul te dit que bon, je ne joue pas, est-ce que tu peux faire du live? Mais c'est le métier aussi que tu as choisi avec ses avantages et avec ses inconvénients. Comme on l'a dit là, si à un certain moment tu vois que c'est ingrat, change de métier. Ah ouais? C'est ça. C'est assez clair. Non, ça a le mérite d'être clair. Moi, j'ai quand même de l'admiration pour le parcours de Douden parce que c'est quelqu'un qui a parcouru les segments du métier en tant que rappeur. Ensuite, il se retrouve auteur, compositeur, arrangeur. Et il n'est pas que dans la musique, parce que je pense qu'il fait aussi sur les documentaires, sur d'autres projets qui n'ont rien à voir avec la musique classique que nous, on connaît. S'il y a eu 11 ans de vide, il a dû quand même vivre pendant ces 11 ans. Il a fallu vivre de quelque chose. Et il a vécu certainement de tout ça. Et ce n'est pas très courant dans ce métier-là de faire ce pas-là. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que de sa génération, il y a très peu qui ont choisi ce chemin-là. Et il est toujours là-dedans. C'est un passionné, c'est un gars qui connaît la musique. Et en m'appuyant sur ça, j'aurais deux questions. Je vais faire du deux en un. Je vais revenir sur le retour du brave. J'ai envie de savoir combien ça a coûté ce clip-là. C'est une curiosité. Je me suis posé la question depuis le début. Décor, costume, célébrité et tout ce qui va avec. Je suis curieux de savoir combien ça a coûté, mais s'il te plaît, ne me dis pas que tu
toi, tu n'as fait que chanter, que le reste, c'était pas tes soucis, tes voyants ou quoi. C'est on nous l'a fort. Déjà fait. Donc, fort. Je mets un point là-bas. Okay. Faut pas nous la refaire. Ouais, faut pas nous la refaire, quoi. La deuxième, c'est le retour du brave, l'album. En tant que puriste et musicien, j'ai été surpris de voir que sur l'album, il y a eu des effets qu'on a mis sur ta voix. Et moi, ça m'a fait tout bizarre parce que je te connais en tant que puriste de musique, en tant que quelqu'un qui est très à cheval sur un certain nombre de choses. Et quand j'ai retrouvé que sur pratiquement tous les titres, il y avait des effets sur ta voix, je me suis posé la question, pourquoi il a fait ça? Pourquoi ce choix-là? On y va. Ok. D'abord, par rapport à l'arrangement, si je ne faisais pas ça aussi, j'allais mourir de faim. Si je ne rentrais pas dans ça, là, ça allait, c'était pas... Ça allait mentir sur toi. Voilà, je n'avais pas le choix. D'accord. Il fallait pouvoir vivre de quelque chose parce que j'ai été clair avec mes parents. À 19 ans, j'ai dit, je veux faire ce métier. Ils ont refusé. Je suis allé voir le prêtre de l'église en Côte d'Ivoire, parce que je connais voilà, ce que mes parents pensent de tout ça. Et j'ai fait des promesses à mes parents. J'ai promis, et Dieu merci, je regarde encore les caméras, maman, ton fils n'a pas encore trahi. Voilà. J'ai fait des promesses et on m'a donné la bénédiction. Donc, il fallait pouvoir vivre, il fallait pouvoir survivre. Donc, il fallait ajouter d'autres choses, d'autres cordes à l'arc que je tenais. Maintenant, pour revenir à l'album, Le Retour du Brave, avant de revenir sur les coups, l'album, en réalité, si tu veux, sur la majeure, c'est pas sur tous les titres qu'il y a de l'effet. La majeure partie, quand même. Les effets ont été mis, à la base, c'est moi qui ai fait les arrangements. J'ai pas terminé. Il y a des titres qui sont plus évidents. Peut-être que tu veux parler de l'autotune et tout. Mais il y a d'autres choses aussi qui sont en cours, que tout le monde utilise aujourd'hui. C'est pas des effets, en gros, si tu veux. Mais quand tu vois, par exemple, si nos papas aujourd'hui qui font du reggae, je vais pas donner de nom, acceptent de mettre de l'autotune sur les voix, c'est pas, aujourd'hui, l'autotune n'est plus un problème. C'est juste un feeling. C'est un feeling. Moi, je refuse de mettre l'autotune quand je fais du live. D'accord. On peut le mettre, mais je refuse. C'est dans le live, là, quand on sait qui, tu vois, voilà. Donc, c'est juste pour le feeling. C'est pour le feeling. Et le coup? Le coup, moi, je suis coproducteur. D'accord. Tu vois, j'ai fait la coproduction. Monsieur Sidibé, que je salue au passage, directeur de Focus Group, qui est coproducteur, peut vous donner la suite. Voilà. Bon, Il nous l'a fait. Je vais quand même m'arrêter sur monsieur Sidibé, Bizouma, qui lui, ne fait pas de la production un métier. C'est une sorte de mécénat. C'est quelqu'un qui aime ta musique, qui s'est pris d'amitié pour toi, qui est amoureux de tout ce que tu essaies de faire. Dans tes choix musicaux et qui a pensé qu'il pouvait embarquer dans cette aventure avec toi. Voilà pourquoi vous avez pris tout votre temps d'ailleurs de le faire sans pression. Et puis en ce moment, c'est encore sans pression. Et vous êtes en train de conduire le navire à bon port. Vous avez mon applaudissement, monsieur Izuma, s'il vous plaît. Alors, je tiens à dire des choses. Oui. C'est pas seulement pour monsieur Sidibé, c'est pour tous ceux qui ont l'intention d'investir dans la musique. C'est-à-dire que nous qui sommes du métier, nous devons tout faire pour ne pas que ces gens-là soient déçus de nous. Nous devons tout faire pour qu'ils sachent que c'est un métier à part, et à part entière. C'est un métier qui peut nourrir son homme. Et ce qu'on retient de nous, très souvent, on dit c'est un métier qui est faux, il y a des faux types dedans. Non, il faut qu'on montre aux gens qu'on est sérieux, qu'on travaille, qu'on a de la vision, qu'on a des ambitions. Donc, monsieur Sidibé, merci encore. Et à tous ceux qui veulent investir dans la musique, n'hésitez pas. Voilà. Il est temps de poser 10 questions à Doudel. C'est Lorraine qui le fait, et tout le monde le sait. Et question de dernière minute, elle a un vrai souci, et elle s'est donc excusée, mais nous ne pouvons pas passer cette rubrique-là sous silence, parce que c'est une rubrique culte. Oui. Et qui va la faire aujourd'hui? On a choisi parmi nos chroniqueurs. On va applaudir Coach Zinaba. Vous
vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre prêt en une minute. Wassa wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force. Finissez en force. Nescafé. Captée dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de gouberies, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. On a toujours de belles surprises avec Orange Monnaie. Ah oui ? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Monnaie partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1 000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1 000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise, ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Monnaie ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Monnaie, il y a toujours de belles surprises. Orange Monnaie, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Dans les yeux de Coach Zine, c'est spécial quand même de regarder un mec dans les yeux pendant 2 minutes. On va applaudir Coach Zine là-bas. Lorenzo. Et bienvenue à la table de Lorraine, coach. Merci, commandant. Et on va inviter Douden sous vos applaudissements. Des questions donc préparées par Lorraine, retouchées par le coach. Et je ne sais pas quelle est la saveur de ce petit cocktail pour poser en 10 questions. Coach, le il brave, est là. Bonne arrivée. Merci. Le brave, bonne arrivée à ma table. Merci. Le principe, il est très simple ici. 10 questions, 10 balles. Que j'envoie au brave, ouais. il n'esquive pas, ouais. C'est pas le jeu, ouais. Il répond pas oui ou pas non, il répond pas mensonge ou pas vérité. Ok. Mais en attendant, okay. Une bière en passant. Ouais. Je suis musulman. Dans les yeux ou pas? Dans les yeux, hein. Dans les yeux du coach. Mais maintenant, ça se passe ici. Allah. Il se raconte que votre album a coûté plus de 20 millions. Mensonge. On n'a pas entendu? Mensonge. Votre titre à succès. Je regrette, tu sais. Raconte votre propre histoire. Mensonge. Ouais. Mensonge. Le groupe Kleptogang, votre groupe ouais. De base, d'origine, ouais. Se serait séparé sur une histoire de femme. Mensonge. On n'est même pas séparé. Ah, vous allez nous dire alors. On a un groupe WhatsApp, on se parle tous les jours. Non, mais le groupe en prestation. Ah, les gens, il y a d'autres qui avaient plus faim que d'autres. Le clip à venir a été à moitié financé par un mécène du showbiz burkinabé. Le clip à venir. Votre clip qui arrive. Qui arrive. Ouais. Mensonge. Sur le même album. Mensonge. Ok. Il y a trop de mensonges aujourd'hui. Ben, c'est votre question. J'aurais appris que votre featuring a succès. Amnon Afo, pardon. J'aurais appris que le featuring à succès de Imilo le chanteur avec Sidima, que vous avez réalisé, arrangé. Arrangé, vérité. J'ai même pas encore posé la question. Ah ben, je sais pas. Que vous a rapporté des millions. Mensonge. Vous voyez qu'il faut laisser terminer les questions comme vous l'avez dit par rapport à Le Bout tout à l'heure. Ouais, ouais, mensonge. Sixième question. Il se dit que vous vivez plus de votre métier d'arrangeur que de votre métier d'artiste. Vérité. Ah, une vérité au moins. J'aurais appris que vous arrêterez complètement votre carrière si l'album
le brave, le retour du brave ne marchait pas. Mensonge. On est là encore 20 ans. Vous sortez votre album 4 jours avant celui de Smarty. D'aucuns pensent que ça a été sciemment fait pour lui chercher des problèmes. Toujours pas de questions. C'est la question. Mensonge. Et la dernière, on va terminer sur celle-là. Vous préparez actuellement un single avec les autres membres de Klepto pour une sortie officielle en 2022. Mensonge. C'est pas 2022, il n'y a pas de date, mais on prépare quelque chose. Ok, au moins là, on l'a su. Voilà. Merci encore d'être venu à l'antenne. Merci beaucoup. Bienvenue, cher ami. Merci. Comment vous présente rapidement? Moi, c'est Diallo Ousseini, étudiant inscrit à la faculté de philosophie à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Wow. Non, tu es un chef. C'est mon collègue. Ouais, j'attendais sonner les virgules jusqu'au point, quoi. Alors, le Bravella, qu'est-ce que vous avez retenu de son café? Ok, bon, déjà, je dirais que le café était chaud. Bienvenue, le Brave. Et quelque chose que je tenais vraiment à souligner de façon très particulière chez le Brave, c'est son accoutrement. Parce qu'un artiste, il est d'abord vu, ensuite il est entendu et compris enfin. Donc, pour toutes ces raisons, toutes ces remarques, j'ai donné plutôt 8 sur 10 au Brave. Merci beaucoup. Merci. On va appeler maintenant, il y a Mademoiselle Baki qui est là. Baki, Laetitia, venez parler au Brave. Mademoiselle Baki, bienvenue au Grand Café. Le Brave est là. Commentaire sur son café. D'abord, je réponds au nom de Laetitia Baki, journaliste âgée. D'abord, pour la petite histoire, j'ai une amie qui, chaque jour, poste les musiques rétro. Et je voyais vos musiques passer, mais je ne savais pas que c'était de vous, vraiment. Parce qu'avec le temps, et puis maintenant, la ressemblance est un peu. Voilà. Donc, j'adore vraiment votre musique. Et avec les retours qui sont passés, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé aussi votre manière de répondre aux questions avec beaucoup d'enthousiasme. Pour la raison pour laquelle je vous attribue la note de 9 sur 10. La note de 9 sur 10. C'est un brave qui ne recule jamais, n'a pas peur de questions. On va appeler Monsieur Dao Yakuba. Monsieur Dao, bienvenue au Grand Café. Merci, commandant. Monsieur le brave est là. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, mon nom, c'est Yakuba Dao. Je suis en formation en anglais à l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Je voulais dire bravo au brave. Et moi, particulièrement, quand on parle de du jeune, ça me rappelle le poids de la tradition. Voilà. Et pour le café, c'était intéressant, c'était chaud. Et sa manière de répondre aux questions, on était content, ça nous faisait un peu rire. Ouais. Mais vers la fin, il y a des questions qu'il a un peu trouvées. C'est pourquoi je m'en vais lui donner la note de 9 sur 10. 9 sur 10, ok. Ah, okay. Ouais. Un brave, à un moment donné, le brave, il est cerné aussi par les bandits. Et des bandits, on en a aussi. Au souvent, il faut un repli stratégique. Voici Ouedraogo Muniratu. Muniratu, Ouedraogo, bienvenue au Grand Café. Merci, commandant. Alors, comment vous avez trouvé le Café du Brave? Bon, je suis Ouedraogo Muniratu, étudiante en troisième année en sciences économiques et de gestion à l'Université Thomas Sankara. Bon, j'ai trouvé que le café était bon. L'artiste a été assez pertinent dans ses dits, même s'il a esquivé quelques petites questions. Comme bon, sur le coup de son clip. Mais bon, je lui ai attribué la note de 8 sur 10. Ils sont très gentils avec le bras. Douden, ce café est en train de connaître son dénouement. Tirons vers la fin de ce café. Ben, comment le brave lui-même a vu son propre café. Ouais, c'était a vu son café. Très, très, très intéressant. Surtout quand tu as en face de toi des gens qui te connaissent très bien. Voilà, donc tu ne peux pas trop dire des conneries. Donc quand tu sens que l'ennemi en face a assez d'âme, souvent il faut faire le repli stratégique. Et je pense que je l'ai très bien fait. Et qu'on pourra rentrer tous à la maison avec le sourire. Voilà. Alors Diden, s'il y avait une seule chanson sur cet album que tu nous proposes, la chanson que tu nous conseilles d'aller écouter, méditer, tout simplement, ce serait laquelle?
Sunshine. Yeah. C'est, Sunshine. C'est un de mes préférés. Le titre 8 de l'album, parce que justement, c'est le cœur qui a parlé. Yeah. Et c'est pour dire que il y a toujours de l'espoir, toujours. Et surtout pour nous, Africains, pour nous, Noirs, on peut toujours encore devenir. Yeah. Mais en plus, il chante en anglais. Yeah. Wow. Comme d'hab. Yeah. Yeah. Moi, je parle l'anglais, moi. Our English boy. C'est ça. Cher ami, tu le sais, toujours un cœur rempli de joie à chaque fois que je te rencontre. Ouais. Et quand c'est encore sur un plateau, je ne te dis pas quel est le bonheur que je ressens. À tout le monde, allez écouter cet album. Ne vous fiez pas aux commentaires précipités. Allez écouter cet album. Allez dans le fond, vous en tirerez quelque chose de très intéressant. Boudaine, à très bientôt sur les scènes. Donc, et pour d'autres dates encore à venir. Mesdames et messieurs, dimanche prochain, dans ce même fauteuil, un autre invité et bien sûr, un autre grand café. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre prêt en une minute. Wassa wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force. Finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de Koubri, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéro 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à zéro franc CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à zéro franc CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise, ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.